En ik daag alle voorstanders van het basisinkomen uit om met een gedetailleerde, gefundeerde berekening te komen van het basisinkomen. Goed, mevrouw Mestrum. Dit zijn Pierre Catelin, Ismaël Daoud en Axel de Brand. Axel en Pierre zijn therapeuten en werken aan een boek over hun model Revenu de Base XXL. Ismaël is ingenieur en werkte in zijn vrije tijd 6 maanden aan een berekeningsmodel. In zijn vrije tijd, want we hebben voorlopig nog geen basisinkomen om vrije en innoverende burgers te kunnen zijn. Le revenu de base, dans le modèle de Pierre et Axel, était très généreux. Et donc, effectivement, mon premier sentiment, c'est de dire, mais non, c'est impossible. Mais plutôt que de dire, ok, c'est impossible, et puis au revoir, j'étais assez curieux de se dire, mais on va quand même chiffrer, on va quand même calculer. Donc si la modèle de dotation citoyenne est votée, ça sera important ici. Chers députés auront moins de pouvoir sur les citoyens, en fait. S'ils votent ça, ils vont être très, très courageux. Voilà, nous sommes ici dans la Chambre, hein, au Parlement fédéral de la Belgique. Ils ont voté il y a quelques temps la 6e réforme de l'État, qui organise un transfert de compétences du fédéral vers les régions et les communautés. Mais on a oublié les citoyens. On devait organiser un transfert de compétences de l'État fédéral et des pouvoirs publics vers les citoyens. Et donc il nous manque en fait une 7e réforme de l'État qui organise tout ça. Dans mon métier, depuis un bon moment, ce que je fais, c'est en quelque sorte d'aider les gens à mettre de l'ordre dans leur vie. Et pour mettre de l'ordre dans leur vie, ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'ils ont besoin de plus d'argent et de plus de temps. De becijfering ziet eruit als volgt. In miljarden franken. 187 miljarden euro's hebben we nodig voor een basisinkomen van 1500 euro voor elke volwassene levenslang. Ook voor elk kind 200 euro en voor iedereen alle mogelijke persoonlijke verzekeringen betaald door de overheid. Wij hebben het nagerekend en de cijfers blijken te kloppen. Maar is dit allemaal niet een beetje te genereus? Moi, j'ai un peu peur qu'en ayant des sommes moins importantes, voilà, on passe à côté de tout le potentiel du revenu de base, qui est justement de gagner cette liberté. Il y a tout d'abord les dépenses de l'État qui sont évitées par la dotation citoyenne, parce qu'il y a un effet de remplacement, un effet de substitution. On n'a plus besoin, l'État n'a plus besoin de dépenser 41 milliards pour payer les pensions, parce que la dotation citoyenne, le revenu de base, est une sorte de pension. Et donc, il y a d'autres dépenses qui sont évitées, comme le chômage. Ben, il n'y a plus de chômage. Dans le système de la dotation citoyenne, il n'y a plus de chômage, vu qu'on a, qu'on travaille ou pas, 1500 euros par mois. Een hele rist zaken zoals uitkeringen en pensioenen kunnen vervangen worden, waarmee we zo'n 71 miljard besparen. Maar we moeten nog op zoek naar 116,7 miljard. Door een stevige rationalisering van het overheidsapparaat vindt Ismaël nog eens ruim 25 miljard. Le troisième volet, qui est le financement par des recettes supplémentaires, c'est vraiment un tax shift, comme on l'appelle. On va puiser là où les personnes sont très peu taxées. Le capital, par exemple, est taxé en moyenne à 6% en Belgique. Le travail est, lui, taxé à 43% en moyenne en Belgique. Donc on voit qu'il y a vraiment un gros écart. Et donc l'idée, c'est de ramener l'argent des revenus du capital, que ce soit mobilier ou immobilier, vers les travailleurs. Et ainsi, on peut monter la taxe sur le capital, mais on diminue du coup la taxe sur les travailleurs. Et on arrive à un système où, qui est plus équilibré, où les gens ne vont pas aller en rue faire la manifestation parce qu'ils estiment qu'ils ont assez contribué. Pour nous, ça redevient une contribution. Dans le sens noble du terme, on contribue à la bonne marge de la société. Actuellement, les gens, quand ils entendent contribution, on sait, ça y est, on va se faire arnaquer de nouveau. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, il y aura un TVA différencié, plus cher pour les produits de luxe et moins cher sur les produits de première nécessité. Mais en moyenne, on aurait un revenu TVA de 25%, ce qui permettrait d'avoir des revenus supplémentaires de 16 milliards d'euros. Door een gemiddelde verhoging van de BTW naar 25% en andere shifts in taxen en lasten komen we aan 95,4 miljard. Zo komen we uit bij een positief saldo. Dit model levert een winst van meer dan 4 miljard op voor de overheid. Dat koopkracht kan stijgen zien we in Namibië. Maar een exacte projectie van koopkracht is met dit statisch model niet mogelijk.
Maar deze mensen houden ook rekening met de blijvende inkomsten en kosten van de overheid. De prijs voor de lancering van het basisinkomen is 0 euro, mits het privatiseren van enkele overheidsbedrijven. Beste Pierre, Ismaël en Axel, zijn jullie echt zeker van dit model? Oui. On fait des économies de facto, sans qu'il y ait un plus mauvais service pour les citoyens, non? C'est parce que le système est plus simple. C'est comme si on fait table rase, hein, tabula rasa du fonctionnement. Et on se dit, on n'a aucun a priori politique, aucun idéologie. Nogmaals, waarom zou je het doen? Waarom zou je aan rijke mensen een basisinkomen geven? Dat iemand met dat simpele gegeven is uitlegd. Grundeinkommen ist für alle. Also das ist ja entscheidend. Manche Menschen merken gar nicht, dass sie gerne die Reichen ausgrenzen. Das ist aber auch ein Ausgrenzen von Menschen. Grundeinkommen ist für alle, weil es gar nicht ausgrenzt. Es ist kein Klassenkampf. Es ist eben der Mensch gemeint. Das Problem ist auch geregelt.